Premier ministre haïtien, Dr. Claude Joseph, qui a joué tout rôle, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, avec beaucoup de plaisir que n'a pas accueilli sous la voix de l'Amérique. Une autre fois encore. Et c'est un plaisir pour moi tout pour moi avec vous après-midi. Et Premier ministre Claude Joseph, et semaine qui s'est passée là, nous avons accueilli Dr. Reginald Boulos, qui est leader MTV Haïti. Et gagner un dialogue, un dialogue inclusif, et a parlé, elle te fait référence à une situation. Nous pouvons faire entendre une déclaration qu'elle te fait pendant l'interview. Même profite occasion pour me dire tout le monde que la constitution ça. Imaginez jodi a la, président Jovenel déposé Cléal, monte un avion l'aller. Ouais, dans qui ça nous y est? Si nous suivons esprit constitution, c'est Claude Joseph qui n'a pas aucun mandat, qui t'a venu gouverner pays. Pays a tapé pite en bas. Nous-mêmes, nous sommes leaders responsables. Nous pas leaders qui ont voulu monter. Nous, en 2009, nous faisons pays lock. Nous tout comme ça. Il n'y a pas de solution. En 2020, nous faisons mobilisation matin, midi, soir. Li pa ba résultat. Qui résultat n'a pas cherché pour nous débarrasser pays de pouvoir mafia PHTK craser pays depuis 9 ans? Et docteur Claude Joseph, autant de déclarations, docteur Reginald Boulos, qui c'est leader MTV Haïti, est-ce que vous avez une réaction? Bon, d'abord, sous réaction docteur Reginald Boulos, sous intervention, là, je trois et sur les réactions. Première, là, c'est que président Jovenel Moïse va gagner pour mettre Cléa en bas porte là pour l'aller. Président Jovenel Moïse était élu dans l'élection 2016 avec 56% suffrage qui était exprimé. Il prêtait serment 7 février 2017, donc il pourrait aller 7 février 2022. Mais c'est bon, j'ai une élection tout pour l'organiser pour permettre que son président qui est élu qui remplace le président Jovenel Moïse 7 février 2022. Qui donc, option ça a, qui visait à que le président Jovenel Moïse va mettre clé en bas pour là, c'est une option et pour ne pas même imaginer, pas même penser. Deuxième aspect, moi-même et qui premier ministre, je dis, nous sommes premier ministre pour un petit bout de temps, nous sommes premier ministre AI. Ça veut dire que ça, le président Jovenel Moïse accepté et démission et premier ministre Joseph Jout pour convenance personnelle, il n'a pas mis un premier ministre définitif. Les mettons premier ministre AI, c'est pour montrer bonne volonté, pour engager dialogue avec protagoniste, pour nous capables de joindre un gouvernement d'union nationale avec un premier ministre en tête, qui sont premier ministre pour restant qui était qui pourra organiser l'élection et organiser le référendum constitutionnel. Donc, ça, c'est deuxième aspect. Troisième aspect, c'est et diminutif sur l'éthique là que le docteur Reginald Boulos et utilisé. Donc, on pense que l'IRA a une occasion pour montrer que l'IPA a une approche discriminatoire avec, et par rapport à monde qui pas semblé à lui. Donc, moi-même, moi, je fais tout ça, je fais déjà. Moi, je suis sorti CTPEA, moi, à l'États-Unis, moi, je fais une maîtrise, moi, je fais un doctorat, moi, je suis sorti gradué avec plus grande distinction dans tous les universités, ni dans ça, je fais maîtrise, ni dans ça, je fais doctorat. Mal enseigné aux États-Unis dans des universités prestigieuses. Moi, je suis chargé d'affaires, je suis ministre des Affaires étrangères, donc extrêmement important et que tout le monde a jugé dans la diplomatie haïtienne. Donc, moi, je pense que je quitte ça, me fait, par contre, je parle peut-être sans moi-même, je connais que Reginald Boulos, c'est tout le gain, et docteur Reginald Boulos, c'est tout le bon parcours que le monde a parlé de lui. Et merci, monsieur le ministre. Et bien, point en fait. Et où se parle de, où se fait référence à l'ancien premier ministre et prédécesseur là, Joseph Jout. Et me songeais que le président a accepté démission ancien premier ministre Jout là. Il dit que qu'on y a, ça permet que adresser qu'on y a problème insécurité à. Et pendant le week-end, il parlait de technologie, il parlait de gros entraînements qu'a fait et gros bagailles qui pourrait le faire. Dis-nous, qui compte nous y journée jeudi à avec question insécurité à, bien que toute information montre que ça va mal et ça va très mal dans le pays avec question de sécurité, malgré toute sa autorité.
Bon, écoutez, moi-même, depuis monter comme premier ministre pour un petit bout de temps, moi, mettais un focus sous question insécurité. C'est pas sans raison, moi, organisé pas moins de 3 CSPN et des CSPN élargis avec de l'autre secteur et dans la vie nationale. Là. C'est-à-dire que nous avons ensemble des dispositions qui prennent pour nous combattre sécurité, insécurité. Là, et je pense que c'est une préoccupation, pas seulement pour et monde dans la population, mais également pour le gouvernement, également pour le président de la République, là, son Excellence, M. Jovenel Moïse. Alors, formez-vous bien, comme le président Jovenel Moïse dit hier, que l'insécurité a gagné une dimension politique. Donc, pas oublier que gagne en pile tentative, n'est-ce pas, qui fait pour forcer le président et bien, quitter le pouvoir, soit un an avant fait mandat, ou bien depuis avant. Nous connaissons un pays loc, nous connaissons un débat et nous sommes capables de dire qu'il y a de fausses théories sur la question et fin mandat président 7 février 2021. J'ai quelques mouns dans les sociétés Abdil qui, ce n'est pas un débat qui a gagné aucun aspect juridique, mais nous connaissons politique. Donc, là, ils ont échoué avec tout ça. Par exemple, particulièrement sur le débat 7 février 2021, population, il était indifférent par rapport à lui. Donc, ça veut dire que toute tentative qui visait à forcer le président quitter le pouvoir échouer. Donc, nous constatons avec amertume, bien sûr, eh bien, et effort qu'a fait par un pile de monde, et on dit, bah, pas des monde qui pas patriotes, pas des monde qui pas bah, société à pays à glan et bouillot. Donc, question kidnapping, il y a une dimension politique, malheureusement. Et que nous, à combattre aspect criminalité, aspect côté que des bandits choisissent kidnapper mon nom, mais aspect côté gondé, on sait de kidnapping téléguidé, on sait de kidnapping, et on est capable de dire qui bien et spécifié sur des zones, sur des groupes, sur des secteurs, pour forcer au sortir, pour forcer au mobiliser. Donc ça, c'est. Si. Mm-hmm. Excusez-moi que je m'interrompe. Et l'entente des présidents Jovenel Moïse parler, l'entente ou même au palais, nous avons l'impression que nous sommes très bien informés de qui Jean kidnapping. Nan. Au point que le président dit 80%, et m'a répété, 80% kidnapping qui fait, si vous avez une motivation politique. Mais mes amis, si nous connaissons comme ça, pourquoi ça nous pas arrêter Mounsayo? Pourquoi ça nous pas pour un coup de filet, nous mettre Mounsayo en prison, alors que nous connaissons, et le président Jovenel Moïse dit toujours dit, la privée sur yo. Écoutez, ça a venu, mais entre-temps, ça m'a dit qu'il y a, comme constaté, il y a un monde qui quitte le pays, parce qu'il connaît que la justice a une bonne preuve pour l'étape et poursuivre, n'est-ce pas? Donc, il y a un qui quitte le pays. Et vous connaissez, c'est des cas, et des capables de dire, c'est des bails que tout le monde connaît en dans la société. Mais on est capable d'être patient, et puisque il y a laisser au président de la République ou bien son premier ministre AI qui dit que le kidnapping là les gagne une motivation largement une motivation politique et donc ou pas qu'à seulement et pas qu'à seulement choisir ignorer ça effectivement son secret de polichinelle en pile monde connaît que kidnapping là gagne de motivation politique gagne des secteurs et gagne des monde qui pas rien à voir avec ça il a kidnappé yo et c'est tout simplement pour capable créer des turbulences pour capable faire secteur ça camper pour demander au président aller parce que depuis qu'il y a kidnapping tout le monde a un seul côté au focus donc ça est fondamental et nous devons comprendre mais ça me capable d'où au-delà de tout ça je dis à faut gagner un accord politique faut gagner un chita parler entre et nous t'es capable de dire tout protagoniste de telle sorte que pour capable gagner un gouvernement et d'union nationale qui pour eux même entrer en dedans continuité de l'État pour travailler, continuer à travailler sur le processus référendaire là et processus et capable dit électoral là. Parce que ça, c'est deux grands chantiers que le président, le gouvernement a gagné, le pays a gagné, et nous devons poursuivre de telle sorte que 7 février 2022, personnel politique là, particulièrement le président, on l'autre président, capable de remplacer le président Jovenel Moïse. Et docteur Joseph, et en nous quitter. Situation, bien que tout le monde d'accord que je ne j'en dis pas, tout le bouquet et ça me tend dans toute information qui vient de moi, parce que ça a coulé, moun a mouri, et ceci chaque jour, ou mandé population anti-patience. Mais pendant ce temps, il y a un autre dossier, quoi, c'est une question
commission OEA qui a débarqué en Haïti et le gouvernement dit que il a paré pour l'accueillir. Commission ça et au même parlé de yon dialogue qui commençait. Qui côté dialogue ça a commencé et dis-nous et situation commission ça. Écoutez, la question haïtienne était dans le cœur même un conseil permanent qui était organisé à l'OEA. Donc, tu as gagné une volonté pour te voyer une mission, n'est-ce pas, jouer le rôle de facilitateur, bien de rôle de médiation entre les protagonistes politiques. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous pas gagné rien à cacher parce que dans le processus ça, nous transparents, nous honnêtes, nous sincères sur question dialogue là, et bien c'est ça qui fait rapport que moi-même et personnellement, dans non gouvernement, comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, écrit au OEA pour nous dire que nous prêts, n'est-ce pas, pour nous accueillir, pour nous venir, venir faire et souvler, venir avec mission, pour nous capable de rencontrer différents acteurs. Parce que nous-mêmes, nous sommes sincères. Nous connaissons, même si l'élection n'est pas assujettie avec uniquement une question accord politique, faut qu'on fait élection quand même, puisque c'est comme ça qu'on choisit renouveler personnel politique là. Mais un accord politique est extrêmement important pour nous gagner un gouvernement d'union nationale en tête li avec un premier ministre définitif. Donc, et c'est peut-être ça ouais, que nous accepter et que OEA lui-même est venu parce que demandé nous pour nous juger opportunité pour une mission, nous sommes capables de dire venir là, venir informer, rencontrer avec acteurs et à la rigueur jouer. Et souvler jouer un rôle et de médiation. Donc nous prêts pour ça. Donc nous avons curiosité et docteur Joseph, est-ce que gagnent un dialogue qui commençait déjà avec d'autres protagonistes, l'autre acteur dans la crise là? Est-ce que le gouvernement déjà entamé un dialogue? Il y a des secteurs qui la parlent avec eux? Bon, ça me capable de évidemment gagner un dialogue qui est en cours hein, avec différents protagonistes. Par exemple. Avec différents protagonistes. Et je quitte ça avec les protagonistes eux-mêmes pour yo parler. D'ailleurs, ouais, gagner de partis politiques qui sorti de notes, qui ouais, eux-mêmes tout que le dialogue-là est important pour un départ ordonné président de la République-là. Ce que nous-mêmes nous avons toujours demandé, puisque le départ ordonné, il veut dire qu'il faut nous organiser l'élection. Dans le jour de septembre, octobre et pour 7 février 2022, le président de la République a allé son départ ordonné pendant qu'il a remplacé par un autre président qui sortit à travers les urnes. Donc voilà. Votre interprétation et départ ordonné et 7 février 2022, même l'impression que l'autre protagoniste a dit départ ordonné, par exemple, et 5 structures, départ ordonné, ça avant 7 février 2022. Non, on n'a pas parlé de départ ordonné, nous parlons d'un départ qui effectivement respectait les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire que l'exercice, ça qu'on a fait là, c'est un exercice côté, l'exercice de la pédagogie et de l'alternance démocratique côté, on a respecté le verdict des urnes. C'est-à-dire que ça veut dire qui ça? Faut que nous finissions avec pratique et ça a eu, pratique chaque fois. Nous arrivons à faire un mandat, nous avons besoin d'un gouvernement de transition. Donc, pratique, ça a eu révolu. Donc, nous voulons vraiment que la démocratie a bougeonné dans le pays. Donc, ça fait que faut, c'est un élu qui remplace un élu, et particulièrement chaque 7 février, après 5 ans, où il y a de passation régulière et normale. Donc, je pense que c'est ça. Et là, on a parlé de départ ordonné. Nous parlons d'un départ ordonné qui respectait. Et règles jouettes démocratiques. Donc, je pense que ni protagoniste, tout c'est ça, ils entendent que le départ ordonné. Parce que si l'inquiétude là, c'est sous question organisation, élection, est-ce que la prédit honnête et transparente, nous avons en pile garantie que le processus électoral là, c'est un vrai cap honnête, cap transparent et crédible. Donc, c'est meilleur moun yo cap gagner élection. C'est pas une élection, Jean-Paul et le président de la République a toujours dit, c'est pas un petit passe-court. Pratique petit passe-court là, définitivement, pour nous passer avec des élections qui sont honnêtes.
Merci, docteur Claude Joseph. Docteur Claude Joseph, c'est premier ministre à I, dans le pays d'Haïti, et la joue World Tour, ministre Affaires étrangères. C'est un plaisir pour nous te gagner une autre fois encore, et docteur. C'est un plaisir pour nous te gagner. Et puis, rapidement, donc, c'était ministre Affaires étrangères et premier ministre à I, dans le pays d'Haïti. Docteur Claude Joseph, nous pourrons rapidement rejoindre Jean-Robert Philippe, qui fait nous connaître que les États-Unis mettaient sanctions sous, en restriction plutôt, sous Moun Kapsoti dans le pays N à cause yon question COVID-19. Jean-Robert Philippe. Effectivement, président Joe Biden a un problème. En plus de problème d'immigration, il y a sous frontière États-Unis partagé avec le Mexique. Je dis à l'autre problème qui vient devant, c'est que la situation pandémie créée en Inde, côté monde, n'a pas abandonné par paquet. Et c'est comme ça que la chercher pour l'ouest, pour dans le Mexique avec des Indes, résoudre le problème dans la Caraïbe. Mais le premier problème, non, c'est limiter quand c'est Indien qui vient aux États-Unis. Ici, c'est phénomène insécurité. À partir de mardi 4 mai, citoyens qui ont sorti en Inde, pas capable d'entrer aux États-Unis d'après restrictions d'administration américaine imposées sous Inde. Décision ça apprend dans le moment pays Asie du Sud là a fait face avec une augmentation pandémie COVID-19 là. Administration Biden a envoyé matériel by Inde, donc équipement protection personnelle, oxygène, équipement pour faire tests, dépistage, masques avec l'autre équipement. We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life. And also, all the sécurité nationale États-Unis par les boutiques. Nous gagnons quelque chose pour différents variants, yo, pour propagation virus là, pour quantité monde cap mourir ensemble avec tout l'autre effet secondaire cap paraître dans moment dirigeant yo pas capable contrôler pandémie cap ravager pays là. Je dis à qu'il puisse passer 19 millions cas confirmés avec plus passer 250 000 personnes qui mourent en Inde, d'après données Centre ressources coronavirus John Hopkins University publié. Plus passer un tiers américain recevoir toutes doses vaccinées contre COVID-19 là. Maladie virus à bail. Quelques États déclarés qu'ils ont assez vaccins pour citoyens. L'administration Biden a annoncé qu'il est capable de partager 60 millions de doses vaccins à AstraZeneca avec pays qui n'ont besoin. Expert santé publique yo dit États-Unis doit faire ça capable pour aider l'Inde avec l'autre pays cap lutter contre pandémie. We've got to help India get this under control for a variety of reasons, the humanitarian one, certainly there are geopolitical issues, but from a pure public health point of view. Ashija, doyen faculté santé publique dans Brown University qui t'a parlé dans programme ABC this week parlé pour dire nous devons aider l'Inde contrôler pandémie pour plusieurs raisons. Une c'est raison humanitaire, certainement gain problème géopolitique là tout, mais au point de vue santé publique, Inde représente un bon environnement qui est capable de créer l'autre variant. Chef personnel de l'administration Biden, Ron Klain, déclaré dans le programme chaîne de télévision CBS News, Face the Nation, États-Unis voyaient en Inde suffisamment de matériel nécessaire pour fabriquer 20 millions de doses de vaccins version Inde, Oxford, AstraZeneca. Quelques parlementaires américains qui gagnent la tête du sénateur Bernie Sanders parlent pour dire l'administration doit moins rigide sous règlement patent, une façon pour pays capable de presser produire version générique du vaccin. Yon bagaille compagnie pharmaceutique yo pas d'accord pour ça yo considérer problème sécurité sanitaire. L'administration Biden n'a gagné pour annoncer façon États-Unis pour distribuer plus vaccins par l'autre pays, plus licences d'après chef personnel, administration Biden, Ron Klain. Docteur, que nous attendons jeudi 3 mai, c'est journée mondiale, liberté, la presse, grand pile activité à travers le monde, qui a marqué journée ça. Dans l'occasion, UNESCO, dans tête collée avec l'Observatoire numérique en Haïti, organisé un atelier de travail avec trois médias en ligne en Haïti, RENAMEL, CMEL et AHML. Sous problématique la presse vis-à-vis nouvelles technologies. N'abtabli contact avec correspondant de Port-au-Prince, Renato Toussaint. Lundi 3 mai 2021, marqué 30e journée mondiale liberté de la presse. Anissa, événement déroulé sous question contemporaine qui lie à liberté, accès à l'information, à rôle service public concernant journalistes. Des conseils à gros commissariat droit de l'homme, à observatoire numérique en Haïti, UNESCO mettait un accent particulier sur le rôle journaliste dans la production d'informations vérifiées d'intérêt public. C'est le bassin déroulé sous thème l'information
comme bien public en Haïti. Sur question financement, c'est UNESCO évidemment qui est responsable de financement. Observatoire là plus responsable partie technique là. Ça veut dire formation, encadrement, étudio, joindre données. Par exemple, nous avons un répertoire là que nous allons lancer là. Nous avons un formulaire que nous allons demander pour tout le monde qui vient inscrit. Nous allons, ça sont l'autre débat que nous allons faire ensemble avec Média en ligne. Ministre culture et communication en Haïti, Pradel Henriquez, qui a participé dans la cérémonie, eh bien, il fait connaître que le gouvernement entend collaborer avec la presse en général, le considérer comme quatrième pouvoir. Nous sommes solidaires des conditions de travail dans lesquelles vous fonctionnez. Moi-même, je suis sensible à ça. Je sais que vos conditions de travail sont énormément dangereuses. Et c'est ça qui est important pour moi, de vous rappeler que nous sommes solidaires de ces conditions de travail, de vous rappeler aussi que nous sommes prêts, et c'est surtout ça, à travailler avec vous pour que ces conditions s'améliorent. Bon, quand on parle au Best Dimanche, qui c'est porte-parole collectif Média en ligne, eh bien, M. fait connaître que la presse a confronté en pile difficulté, surtout question qui a rapport avec journalisme Média en ligne, l'a confronté en pile problème. La liberté de la presse n'est pas garantie dans le pays, hein, puisque nous avons un gouvernement qui est en place et nous constatons que qui pas respecté, qui pas fait promotion de liberté d'expression. Ça vient que il vient un petit genre très difficile pour que journalistes eux-mêmes fassent travail comme ça doit. Et nous-mêmes au niveau de CML, qui c'est collectif des médias en ligne, nous à promouvoir que pour journalistes eux-mêmes soient capables de faire travail sans aucune difficulté et pour journalistes eux-mêmes soient capables d'exprimer au libre. Jean Constitution 1987 a amendé à lui-même à lui dit et dans l'article 28 alinéa 2 il fait connaître que journalistes ont le pour devoir pour exercer profession ça sans pas gagner trop de problèmes. UNESCO en partenariat avec l'Observatoire numérique en Haïti lancé officiellement question qui a un rapport avec enquête sur les médias en ligne et campagne sur l'éducation des médias en Haïti. Médias avec des informations, droits humains, avec liberté d'expression, financement avec mécanisme, régulation nouveaux médias, avec protection avec sécurité journaliste dans l'exercice de fonction. C'est un thème qui débat dans l'atelier de travail que vous réalisez dans l'occasion 3 mai 2021 qui marquait 30e journée mondiale liberté de la presse. N'a pas rappelé que c'est une activité qui déroulait en présence de divers représentants communauté internationale, notamment Elimedi Ago Musta, qui est représentant coordonnateur résident des Nations Unies en Haïti, chargé bureau UNESCO, Aniceto Rodriguez, qui est chef délégation coopération Union européenne en Haïti, et Emmanuel Adjovi, qui est directeur régional OIF en Haïti. C'était une activité qui était déroulée avec représentation, participation, 3 grandes associations journalistes, médias en ligne, notamment HML, RENAMEL, AXEMEL, qui c'est collectif médias en ligne. Sous place de la capitale haïtienne, moi c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique. Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. L'autre point d'actualité a toujours concernant le pays d'Haïti. Président Jovenel Moïse inauguré samedi qui saute passé là, barrage hydroélectrique Marion dans le département Nord-Est. Yon reportage, Jodelet Junior Saint-Ville. Président République là, Jovenel Moïse inauguré officiellement samedi 1er mai 2021 qui s'est fait agriculture et travail dans le pays d'Haïti, barrage Marion qui trouvé dans la commune Gambassin, département Nord-Est. Barrage ça qui fait sous 100 carotins, pral capabouze environ 10 000 hectares dans le département Nord-Est dans un premier temps, département Nord dans un deuxième temps. D'après président Jovenel Moïse, qui t'est tout profité, remercier tout le monde qui t'est travaillé pour rêve ça venir en réalité, et spécialement pays qui bat. Président Jovenel Moïse. Profite occasion pour me remercier famille Mounzaïo, technicien, tout ouvrier, boss maçon, tout le monde manœuvre qui travaille pour réaliser pour rêve ça. Nous n'avons pas pouvoir pour nous travailler. Et ce travail, ma travail. Parce que je ne vais pas faire l'autre bagarre encore du travail. C'est pour ça que nous devons pouvoir. Mais pas oublier, si j'aime toujours dire ça, Jean-Marion est Kounia. La carouse 10 000 hectares dans la commune Grand Bassin, il faut libérer la terre rouge. Dans le deuxième temps, il va le rouser terre
dans la commune Caracol, dans la commune Goudino et dans la commune Limonade. Puis loin, président Moïse fait connaître barrage ça qui coûtait l'État haïtien 10 millions de dollars, gagne plusieurs objectifs. Et c'est le deuxième barrage hydroélectrique qui arrivait construit dans le pays. Je connais que nous connaissons déjà l'argent qui construit le barrage ça, il sorti dans le trésor public. Barrage Mario lui-même, premier objectif, j'aime le dire, c'est irriguer terre agricole dans la région nord-est et dans le nord. Deuxième objectif barrage Marion, c'est protéger la zone qui est en bas rivière Marion contre l'inondation. Je dis, le problème d'inondation malfaitée à résoudre. Troisième objectif barrage Marion, c'est produire en pile protéines à tout poisson sale. N'a pas élevé dans le réservoir barrage là. Quatrième objectif là, c'est bail moun dans la zone qui vibre bon jan de l'eau pour boire. Cinquième objectif Marion, c'est produire courant pour tout le monde qui vit dans l'environnement. Barrage là, pas propriété privée, président Jovenel Moïse. Li pas pour fanatique, président Jovenel Moïse seulement tout. Mais pour tout haïtien qui vit dans la région nord-est avec nos pays. Qu'est-ce que c'est le monde qui aime le président Jovenel? Qu'est-ce que c'est le monde qui parle le président Jovenel? Jodelin Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodelin. En même occasion, le président a tout profité, lui-même fait promotion pour le référendum constitutionnel 27 juin en tant que président Jovenel Moïse. Même profite occasion. Pour me dire tout le monde que la constitution ça, le président Zulia, le pays est ingouvernable avec lui. Ça veut dire que même peuple, si nous voulons changer le pays à tout bon bruit, c'est pour changer la constitution ça. Constitution qui sont pacte de corruption entre un groupe net dans le pays qui décide à Haïti, c'est pour y aller. C'est pour me dire non. Même si moi me dis non, je ne peux me dire non parce que c'est le pouvoir pour me dire non, pour me dire non ça. Non! À pacte de corruption ça, non à constitution ça, pour un groupe nègre qui comprend que le pays a ses fouillolés, mais le pays a ses prévalisés. Je veux que le clair pour tout le monde, je dis à un monde qui parle, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui parle, c'est pas un micro pour dire non, c'est pour aller dire non. Dans l'union, dans le côté que le peuple a metté, parce que c'est ça qui est démocratie, démocratie c'est capacité pour gagner. Pour dire oui vous voulez ou bien non vous voulez. Et ça, moi-même comme président aujourd'hui, opportunité que le moment ça offre, fin 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Aujourd'hui, nous fenêtre l'opportunité parce que l'opportunité ça, c'est dans mes frères. Seul mieux, qui était sénateur, qui était député. Moi-même, comme président, je me mettais plus passé 100 millions de gouttes dans le budget pour le Parlement, pour te changer la constitution, pour t'amender la constitution. Comme la dépenser, il n'est pas fait. Je dis à mon grand décision, comme la dépenser pour le fait. Et c'est ça nous dit. Donc c'était président Jovenel Moïse dans l'occasion inauguration barrage hydroélectrique Marion dans le département Nord-Est PIA, c'était samedi. Qui se passait là? Ou toujours sous la voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtien, un moment arrivé.